particulière puisqu'on va faire un récap des techniques que nous avons vues sur un maeté. Alors un maeté, je vous rappelle ce que c'est, vas-y, on regarde. C'est une attaque du bras avant en avançant la main de jambe. Donc voilà. En général, c'est bras gauche, pied gauche, parce que si vous êtes droitier, le côté fort du corps reste derrière pour pouvoir bénéficier des rotations du corps et frapper plus fort, un peu comme un boxeur frapperait. D'accord? Donc le maeté, c'est avancer le pied gauche et frapper avec le poing gauche. Bien. On a vu déjà plusieurs techniques. On va toutes les revoir parce que nous, dans le programme, alors ça s'adresse plutôt aux gens qui font le programme de l'école Mushin Ryu, puisque ils ont ces séries comme ça sur les poings-pieds. Et donc, ça regroupe cinq fois la même attaque avec des techniques différentes. Bien. Tout d'abord, la première technique, il va venir frapper, je vais reculer en okuriyashi, c'est-à-dire que la jambe arrière d'abord et la jambe qui suit. Et on va bloquer. 1, 2 et 3. D'accord? Donc, Seisho, Yakutsuki, Maete. Ça, c'est le premier. Deuxième, on va sortir par l'extérieur et on va faire un Seisho ici. Là. Ok. Seisho, Shuto. Yaku, Maete. Troisième, on va faire Jodan. Jodanuke, Yaku, Maete. Quatrième, on va faire un Yaku Jodan. C'est-à-dire que vous avez le bras opposé au bras qui bloque. Maete, Yaku. Et la cinquième, on va faire Tetsui, Uratsuki et Maete. Voilà pour les cinq techniques sur Maete Tsuki. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que on rentre dans le, vous avez une vidéo. Vous ne les avez pas toutes pour l'instant, mais vous allez les avoir. Vous avez une vidéo avec les détails de chaque technique. D'accord? Ça, c'est juste une vidéo récapitulative. Ensuite, si vous voulez plus de détails, vous cherchez la playlist Maeté et vous allez trouver les détails sur chacune de ces techniques. Voilà. Ça, c'est surtout très pratique pour ceux qui passent des grades dans l'école de Shinryu, etc. Merci, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.